Renfrance Partenariat Vietnam a été créé à la fin de l'année 2007 avec une poignée de parents qui avaient adopté des enfants au Vietnam et on a souhaité prolonger un petit peu notre action, si on peut dire, dans les orphelinats d'où venaient nos enfants et aider les enfants qui n'avaient pas eu la chance d'être adoptés. La maison sociale de Longueuil a été construite sous l'impulsion du comité populaire et face à des besoins très grands dans cette région de sécuriser tous les enfants qui sont des enfants des rues. Il faut savoir que Vung Tao, qui est situé à 1h30 d'Ho Chi Minh Ville, qui est une mégalopole de 8 millions d'habitants, est composée de beaucoup de bidonvilles avec des enfants, beaucoup d'enfants dans les rues qui travaillent dans les pêcheries ou qui vendent des billets de tombola. Et il fallait sécuriser ces enfants qui sont à la merci de la prostitution enfantine et de la drogue. On a été également beaucoup aidés par une autre association avec laquelle on travaille, qui est l'association des enfants des rizières, qui en fait est l'association qui a monté le projet à la base avec les autorités de Vung Tao. Notre association en fait s'est concentrée autour de différents pôles. Un pôle justement amélioration des conditions de vie de ces enfants dans les structures d'accueil. Un pôle aussi médical avec des vaccinations contre l'hépatite B et puis des cours d'éducation sexuelle aussi pour éviter les grossesses chez les jeunes filles mineures. Un pôle aussi scolarisation et formation professionnelle avec des ateliers de formation professionnelle qui répondent aux besoins de la région. Donc des ateliers de réparation de vélos, de motos, enfin de coiffure, voilà, des choses très basiques, des formations courtes et qui répondent à la demande locale. Et puis des partenariats avec des jeunes français qui sont en préparation d'école de commerce, prépa DCG, qui ont un stage humanitaire à effectuer et qui vont partir par exemple cet été pendant 4 semaines s'occuper des enfants de 3 orphelinats à Vung Tao. La maison sociale de Longueuil fonctionne désormais partiellement puisqu'il y a des premières tranches de travaux qui ont déjà été terminées. Donc on a 4 salles de classe qui fonctionnent, 6 qui vont bientôt pouvoir fonctionner et les ateliers de formation professionnelle également. On a comme objectif que ce projet s'autofinance d'ici 2 ans. On a financé les 2 premières années de fonctionnement en payant par avance les professeurs. Et l'objectif, c'est que dans 2 ans, ce soit complètement autonome et que le Vietnam puisse mener ce projet sans nous. On a pour projet pour 2012 la réhabilitation d'un orphelinat dans le nord du Vietnam, à Bac Giang, qui est un orphelinat extrêmement pauvre, dans lequel sont accueillis notamment des enfants séropositifs et ou handicapés, puis des enfants abandonnés. On est en train de récolter des fonds pour réhabiliter le bâtiment des jeunes enfants abandonnés et les chambres des enfants HIV et handicapés. Si on récolte assez d'argent, on souhaiterait pouvoir éventuellement construire une salle de classe pour les enfants séropositifs qui sont exclus du système scolaire au Vietnam.